Salut, moi c'est Jenny Lowe, coiffeur styliste depuis 10 ans maintenant. J'ai mon salon de coiffeur à la maison qui s'appelle le Salon La Bouture. Je fais du bénévolat ici au Havre à chaque environ 5 semaines pour permettre aux gens de se sentir bien pour repartir leur vie, en fait. Ça fait quasiment 5-6 ans que je suis coiffeur. Mais oui, puis ils sont tellement beaux en plus. T'es venue avec un besoin de redonner. Je te dirais que, dans le fond, quand que j'ai commencé à faire le bénévolat, c'était beaucoup pour moi en premier. J'ai arrêté de boire, ça fait environ un an et demi. Puis j'avais vraiment besoin d'aller toucher une clientèle que je trouve qui me ressemblait à ce moment-là. L'itinérance qui est en augmentation en ce moment, puis les loyers qui sont en hausse, je crois qu'il y a vraiment un besoin extrême de donner à ces gens-là. Mais ça, ça leur apporte énormément de confiance. Ça leur apporte aussi le sentiment d'appartenance à la société, chose que la majorité des participants, quand que je leur en parle de comment ça se passe, eux, c'est souvent quand ils se font regarder dans la rue, c'est des déchets. Pour les gens, ils se font regarder comme des poubelles, comme des moins que rien. Puis ça, il n'y a rien de pire pour quelqu'un de se faire que d'avoir l'impression qu'on le juge. La coiffeuse, c'est essentiel. Honnêtement, depuis la pandémie, on en parle, c'est essentiel. On parle du regard de soi dans le miroir, c'est vraiment important, là, tu sais, de se regarder puis d'avoir confiance en soi. Ça permet de grandir puis de cheminer. Là, les participants, ils partent d'une façon, un peu d'une posture assez recourbée, assez un peu comme s'ils n'avaient pas confiance en eux, puis ils ressortent là, le corps un petit peu plus droit, puis vraiment confiant. Puis honnêtement, ça, c'est toute ma paye, là, de voir là, les avant-après des gens, puis de prendre rendez-vous, tu sais, chose que... Avant, je venais, puis c'était vraiment un moment où est-ce que tout le monde pouvait se faire couper les cheveux un peu n'importe quand. Maintenant, c'est rendu vraiment, on prend rendez-vous. C'est bien important de donner le goût aux gens de vraiment avoir une vie régulière. Donc, prendre rendez-vous, être sur une liste, attendre. Vraiment, c'est toutes des choses que je fais ici qui font que ça aide les gens sur un long terme aussi. Bien, vraiment, ça m'apporte un sentiment d'accomplissement, de vraiment... Tu sais, dans ma job, je l'ai ce retour-là pour les gens qui prennent rendez-vous. Mais par contre, il y a des gens qui ne savent même pas que ça pourrait leur faire du bien. Puis ça, pour moi, c'est excellent. Je les oublie, j'en sors couper les cheveux. Puis je suis comme, ah ouais, viens-t'en, tu vas être capable. Puis tu sais, honnêtement, ils sont tellement drôles parce que après, ils sont vraiment contents. Puis ils en parlent, puis ils me font mon meilleur. Puis honnêtement, moi, de venir ici, ça fait tout mon bonheur. J'ai pas de jugement envers les participants. Genre, honnêtement, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes amis. Fait que j'ai l'impression que tous ces gens-là méritent d'être valorisés à leur façon. Puis, ben, ça m'apporte énormément. Bien, je sors d'ici, puis je suis contente, là, vraiment.